Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite créa que je viens de terminer. Donc, c'est un petit projet vraiment tout simple. Je le ferai en tuto parce que, effectivement, c'est relativement simple. Ça peut s'offrir. Voilà. Et ça peut se faire surtout très rapidement. Donc, je vous présente la créa et on en reparle juste après. Voilà, alors c'est vraiment un album qui permet d'utiliser les blocs en 15 par 15. Voilà, on a tous certainement des blocs en 15 par 15 chez soi. Donc voilà, celui-là il a été fait, c'est entièrement du matériel action, à l'exception des tampons que j'ai utilisés. Donc là il y a au fond du grenier, hop, j'en ai mis un là, fabriqué à souvenir, et j'en ai mis un autre ici. Nostalgie. Donc cette planche de tampon que j'adore, c'est une planche de tampon, je vais vous montrer comme ça, hop, qui vient de chez Aza. Voilà. Que j'ai acheté il y a un moment, pour pas dire des années, il me semble, hein. Donc c'est la planche de tampon là. Sinon, tout le reste, c'est du matériel action. Alors c'est des blocs en 15 par 15. Donc dans les tons vintage, il y a celui-là. Celui-là et celui-là. Donc c'est parfait, ça permet d'utiliser vraiment les blocs en 15 par 15. J'ai rajouté, j'ai juste maté avec du papier noir pour la couverture pour que ça rende mieux. Si on voulait, on aurait pu mater celui-là aussi. Voilà. Donc les petits die cuts là, alors c'est pareil, ce sont des planches de chez Action. Je vous la montre. Ce sont celles-ci. Donc moi je les décolle. Je les colle sur du papier. Enfin, sur un papier comme ça, hein, 200-210 grammes, et après je les redécoupe. Ça les fait un peu, voilà. Ça permet en fait d'en faire des die cuts. Alors là, je les ai découpés comme je viens de vous expliquer, donc je les ai collés sur un papier blanc et ensuite je les ai détourés et j'ai mis de la mousse. Et après, j'en ai certains que j'ai collés directement. Bah ceux-là, non, celui-là il est détouré, mais celui-là par exemple, je l'ai collé directement. Donc c'est un petit projet qui peut contenir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah, 11 photos quand même. 3, 11, 14, puisqu'il y a les côtés, excusez-moi, je n'avais pas fait. Donc c'est du format 9 par 13 essentiellement. Oui, c'est du format 9 par 13. Il n'y a que celle-là et celle-ci qui sont un peu plus grandes. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut le détourner à l'infini, ce petit album. Donc voilà. Alors après, j'adapterai les mesures parce que là, c'est mon premier projet, donc il est un peu serré. C'est-à-dire que quand on va coller les photos, les espacements, j'ai pas suffisamment prévu de marge ici, par exemple. J'ai pas suffisamment prévu de marge. Donc comme c'est le premier projet, quand je ferai le tuto, j'adapterai les mesures par rapport à celui-là. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pas la vidéo tuto, je pense. À bientôt, bye bye.